les Ça y est, matchs ça lancés. commence. Ouais, la team de Tatsumaki, elle est vraiment balance dans le sens où clairement une super bonne offensive. Fika, il est tout seul? Dans sa team. Ah, jouer les 50? Ouais, il joue Hier, les je crois 50 qu'il ou était. pas? Ouais. Hier, en tout cas, il jouait les 50, donc Yes l'a félicité de. Ok. Alors, on va attendre la Peut-être page de classement. qu'aujourd'hui. Ça arrive. Alors, Ouais. en fait, pour la team de. Il y a le crack qui n'y est pas, qui remplace. Un peu ce que ça va donner. On a vu que Fika jouait bien son sacré, donc on va voir si, si ça va faire la même chose, quoi. Surtout que Roublard Feka c'est un combo assez mortel aussi, hein. C'est comme Roublard Xelor, ça pardonne pas quoi. Alors, juste pour ceux qui n'étaient pas là aussi hier, sachez que nous avons qui travaille en fait sur un petit projet de journal. Son premier numéro va tout simplement faire un numéro sur l'histoire. Ok. L'art PK, oui, c'est vraiment violent, hein. C'est sûr qu'au niveau des dégâts, ça va un plus. Après, Ah qu'est-ce que oui, ça bah va oui. donner? Bah hier, on a vu déjà le sacré rire de Skull and Bones qui s'est pris du 3K7 par méga bombe à cause du PK, quoi. Il y avait foutu Cerezy à 39%. Ah, c'est long d'attendre 1 minute quand même quelquefois. Ouais, Ah, c'est vrai, c'est c'est long. bon parce que j'ai un petit lag là. Ouais, C'est lancé, pareil. allez. C'est parti. Alors. Oh, les placements de Ah, départ. allez, l'initiative pour Fika Sex. De la team. Roublard tri élément, il va falloir voir. Parce qu'il Le a fait avec le sacri est sort de proche. chèque. Le sacri est proche du cra. On va commencer Ouais, à je ne taper la vois frappe. Hein. plus la Oh, c'est bon. timeline et commence à déconner. C'est revenu. Il a pas pu faire son combo. Il a pas fait son roublabot, comment ça se fait? Il a pas eu Mais le il a pas temps eu en le temps, fait, je je pense que croyais un ça. bug. Il a retiré de la PO. Donc Xelor. Et C'est vrai voilà. qu'il a... ouais, il commence à Ça, c'est entraver. bien joué. Ouais. Allez, ouais, il va faire son jeu d'entrave, c'est tout à fait normal. Hein. De toute façon, Bien joué. le Xelor en first qui TP, on a vu ça avant tout le tournoi, on a vu ça pendant plusieurs tournois avant encore. Stratégie qui est tout le temps utilisée. Râle le Xel, c'est très bien pensé. Alors, au niveau du placement, c'est marrant parce que si tu regardes bien, les Xelors sont tous les deux en haut. Les Fekas sont tous les deux l'un en face de l'autre. Les sacrières, bon, il y a un sacrière qui est derrière, un sacrière qui est devant, un panda qui est derrière, un panda qui est devant, un Enirif, et les deux Enirifsas sont face à face. Et à côté, et le crack était face à face. Donc déjà, on peut. Ouais, là, bien joué Je hein, pour pense qu'ils cette n'avaient pas team. beaucoup de. Ils n'avaient pas beaucoup d'options de placement, à mon avis. Hein. Ouais. Le nombre de Alors. cases va être assez limité, ils se sont arrangés pour faire des mini-matchs, peut-être. Zalik Cette qui commence à isoler un peu le. Qui le stabilise, bah normal, comme ça Picassar bah, il va galérer et il se téléporte. Ouais, Ça il y a est, fait un petit le combat de notre téléporte-tonneau. côté est lancé. Ouais. Mais là, il n'y a pas assez de distance entre les deux camps adverses en fait. C'est le problème d'avoir un placement diagonal entre guillemets comme ça. Si tu veux hard focus, il faudra vraiment le mettre derrière le sacri, quoi, carrément. Il préfère isoler le Kra. Et le roublard qui vont être au corps à corps. Ok, pourquoi pas? C'est intéressant tout ça. Allez, autour de. Sur le stream, les viewers, si vous avez des questions ou des choses à dire sur les deux teams, pensez, bah, profitez-en, hein, vraiment. Commencez à faire des petites distorsions temporelles. Ouais, petit focus.
Allez, l'horloge qui fait toujours plaisir. Ah, je regarde un peu Fika Sex, parce qu'en fait, il a combien? Il a perdu beaucoup de PA. Il a perdu 2 PA, il a en 10 PA, 3 PM hein, quand même, déjà. Ouais. Être compliqué pour lui. Je sais pas si c'est bien, on peut, je sais pas si c'est bien joué en fait de la part de Fika, de son panda en fait, de bloquer la ligne de. En fait, il a, en jetant en fait la crate, il a bloqué la ligne de vue. Du Fekka en fait, et à cause de ça, bah, je pense que le Fekka, je sais pas si c'est voulu, mais le Fekka ne peut pas un bouclier sur le roublard, et du coup, le roublard est toujours bah, en mauvaise position. Il a pas de À mon protection, avis, pas de PM, pas de il PA. n'avait pas prévu de le protect parce que là où il s'est mis, à inversion les deux autres là, il avait la PO pour mettre une orbe. Je pense qu'il Voilà, n'avait pas du tout prévu d'en mettre une. alors Ouais. je mets rapidement. Les stats d'FK, alors Classique, ouais, c'est. meilleur stat, enfin net avantage pour Kouété quand même. Hein, tri-élément, il a autant de dégâts en tri-élément que. Bah non, c'est pas lui. Hop, et là. Il a sacrifié ou pas? Même pas? Non, Il a non. sacrifié. Si, il a Ouais, sacrifié. ok. Bah, plus de résistance du côté de. Il y a un Pardon, j'ai oublié avantage. de Hein. play. Après, je crois Non, que mais Kouété n'est là, pas Kouété est sous off-champ, en fait. inversion, là. Kouété est sous inversion. Ouais, c'est Il a ça. pris inversion de Yu. Oui. C'est un petit peu normal. Il doit avoir... Il lui manque 10 de rêve, je crois. Alors, Mark Legend nous fait, ouais, des FK dégâts. Dégâts, pas trop ce qu'on a vu. Oui, c'est sûr qu'au niveau des gars, ils sont plutôt bien, quoi. Ils sont plutôt OP au niveau des dégâts. T'as Mais pas le après, choix maintenant, de toute oui, t'as pas le façon. choix, mais ils jouent plus tank que dégâts en fait. Hein. T'es obligé de jouer off-tank, que ce soit Sacri machin, tu verras plus les Sacri à 800% élémentaire qui se contentent de spam Kirosu. C'est fini depuis la mise à jour. Bienvenue sur le live, Spirta. Et oui, il y a inversion et magma, c'est vrai. Bon. Ah, déphasage sur le roublard. Peut-être un Ah peu oui. tôt. Un peu tôt, mais regarde, 3 PM, 0 PA. Non mais. Ouais, mais il comptait le focus quand même à la base. Non, je pense que là, c'est pas tellement. Là, je ne vois pas comme. Ils l'ont tapé, c'est bien. Mais. En fait, le truc, c'est qu'il le pose alors que bah, Fikasex joue juste après, tu vois. Donc, Fikasex va taper. Mais après, si je me trompe pas. Le déphasage il va se retirer après son tour. Donc du coup il va rien faire pendant ce tour Fikasex, mais plein la gueule. Bah non, parce que quand t'es déphasé, tu peux rien faire. Déphasage dure Rien? jusqu'au tour de Lenny. Hein. Oui, Au tour de mais Lenny? juste au Autant pour moi. ah oui. Hein. Ouais. Donc Non, là, ça il va serait pas prendre de pété sinon. dégâts. Mais de toute façon En même fait. il est sacrifié, donc du coup ça sert à... voilà, il a juste invoqué son. Oui, donc ça servait à rien, entre guillemets, de le. User Bah, joined ça your l'empêche channel. de faire des dégâts. Ah, j'ai ok là. Pense qu'il faut le prendre comme ça l'empêche vraiment de faire des. Ouais. Après, je pense qu'il y a une que l'équipe de Tatsu, ils sont avantagés niveau placement parce que leur sacré joue après. Ouais, Bah, après leur. toujours. Oui. Toujours, ouais. Pour l'instant, presque aucun PV retiré à l'équipe de Tats. Et le sacré, ils font rien. Le dos du panda là. Ça pourrait être Après, il a intéressant. perdu 4 de portée, hein. 4 de portée perdu, il est Le plus panda est dégueu. sous inversion aussi, ce serait dommage de C'est passer bien ça. joué là de la part de l'équipe à Tatsumaki parce que tu vois là le Xeller est vraiment. Bah là il vient de faire un bon tour, il vient, oui il a vraiment fait un très bon tour là, Ah ouais, mais il il a se fait met un bon tour. totalement à découvert en fait, et là bah, Tatsumaki joue dans pas longtemps, il lui reste
Bambi. Là, le panda, bah, il va en rajouter une couche, peut-être. Il stabilise le PK. On va placer. C'était de la prise de risque, ouais. Ils l'ont attiré et ça a marché en fait. Hein. Ah, ouais. La défaque, un Ah, PK peut-être il avec s'est trois dit, mots, ok, etc. je vais y aller, mon. Ah, d'accord, Zimas qui nous fait oui. Alors, il a défaque car Fika avait trois bombes sur le terrain qu'il pouvait rebalancer et plus une méga et faire beaucoup de dégâts sur le panda. Enfin, oui, bon, après, il a quand même été ralenti, D'accord. le petit Fika. C'est vrai que oui, les dégâts. Ah, il l'a fait exprès en fait. Ils ont. Pas oublier Galeni hein, derrière. Balance de l'autre côté. Il qui doit être. Et y a quand Ouais, il est même, deck full soin. y a quand même une phase. Là, c'est vraiment le place de. Oui, bataille de placement, Ah oui, exactement d'accord. comme Day et. Enfin, ce qui c'est qu'il a Mais fondu. le deuxième team du poteau. Voilà, c'est ça. On a vu à peu près la même chose, les sacrilleurs qui bougeaient dans tous les sens, les cras qui changeaient de côté. Ouais. Ah, c'était à prévoir. C'était à prévoir, ouais. Par Voilà, contre, mais oui, mais. Bon, après, encore un voilà, le bug panda a tout. d'affichage. Et oui, On mais. voit, enfin moi je vois le Xelor à 0 PV Pareil. malheureusement. On voit aussi Ouais, il un doit pas lui Tatsumaki. rester beaucoup, hein. Très très beau tour de Tatsumaki, là, qui vient de Ouais, faire un ouais, grand coup, en fait, contre la team Il est de en Fika. train de nous refaire un roleplay overdo, il a, c'est-à-dire il va dans le camp adverse et puis il va survivre pendant 3 Ouais, enfin, c'est pas tellement la même team qui est face à lui, du coup, Mais c'est c'est un pas peu grave. compliqué. T'es un petit fifou, le tat. Et comment est-ce qu'il va faire? Alors. Ah ouais, il faut passer en mode buff, de toute façon, au niveau... pas faire grand-chose. Ah, Voilà, éloigner le on sacri, ouais, c'est éloigne, vrai que c'est pas paf, bête. bah c'est. C'est pas bête. FDPE et DPE, voilà. Bah écoutez, Ouh, belle le entrave. taf il est fait, très bien. Oh là là, oui, mais ça, oui, non, ça sauvera pas. Mais... Ah, bien vu. Ah, bien Oh, très joué. bon, très bon, ça, très bon. On détourne le tonique adverse, C'est bon, ça c'est bien. mais derrière il y a encore Megawari qui doit jouer. Ah ouais, il va se Ouais, taper mais du coup, dessus. ça le force à se placer. Et il a pas eu le bonus PA, donc c'est Oui. tant mieux. Là, il va se mettre en mode placement, Gigawari. Ouais. C'est pas. Gâche, enfin, entre guillemets, il gâche son tour. C'est pas utile. Mais voilà, il est placement. Il aurait pu faire autre chose, mais non. Il a forcé à placer. Ouais, c'est vrai que. Allez, hop. GG. Ah, il a réussi à caline fracasse. Ah, il a pas de thune, il a combien de points de vie? C'est gênant là. Ouais, c'est pas terrible. Il C'est un faudrait peu. peut-être de. Attends, je vais demander. C'est autour de Là, l'ennemi faut et qu'il ça. commence à heal là. Ah oui, il a pas le choix. Hein. On a un roublard, un middle life. Alors, on sait même plus à combien de. Ouais, c'est qu'est-ce que c'est ce bug d'affichage là? Ah, Et hop. déphasage sur Tats. Il 400 quand même. Ah, C'est rendu ah, incurable joli, quand même. joli, joli. Attends, il a pas fini, il a encore son méga lapino. Oh, est-ce qu'il va l'abnégation? Non, je pense pas, il va pas le sacrifier. Nice. Bonne Ouais, réplique, hein. ouais. Là, c'est vraiment une très bonne, très bien joué de la part de Fika. Ouais. Là, il y a du plays avec le lapin, là. Ah oui. Il avait incurable? Sérieusement? Ouais, il avait 40 d'incurable. Ah bah oui, avec la fracasse! Oh la vache! C'est-à-dire que Fikassu a quand même, lui a quand même heal du 2600 avec le premier recon, hein. C'est pas... C'est joli quand même. Après, c'était des morts reconstituants. Pensais quand même Oui. du 4100 ensemble. Côté. Ah oui, donc ouais. Allez, il était stabilisé. Ah non, ouais, Non, d'accord, il a fait une c'est seule une douleur. douleur, c'est une douleur qu'il a fait, Oh, c'est ouais, je pour me ça. disais aussi. Pas trop pourquoi il a utilisé, mais... Bon. Ah, enfin, il va pouvoir jouer.
Ah, là, le Rob, il est vénère, il a pas joué depuis deux tours. Bah, focus le panda, là, c'est le mieux, non? Le panda, alors... Ouais, y a moyen qu'il meure, hein. Roublard plus... 5 Xenor, à 7 Ouais, y a carrément moyen. Et encore une fois... Fasse péter une. Faut qu'il en fasse péter une à la main. On sait que si le panda joue... enfin, meurt, pardon, il... Chaque fois qu'on a un panda à mourir, la team perdait derrière. Ça dépend, panda ou sacri. Bon, la plupart des teams basent leur team sur un placeur. Donc. On peut pas faire grand chose. Hein. IPM quand même. Mais oui, c'est normal, ça vient de roulade. Encore roulade. Cassé ce truc. Il est obligé de roulade, 0 point de mode. Et de, voilà, de s'occuper. Ouais. Et de RAL. Ah, moins de PM. Ah, il récupère le tonique. Bien. C'est ça va lui permettre de faire un tempus gratos. Voilà. Bon, le mal des transports qui prend un petit peu. Mais... Ah, le gel temporel va faire très mal là. On va avoir une belle aiguille à 3000, je pense. Waouh! Seulement. Pas tapé comme ça, disons. Ah, Talik n'est pas mort. Effectivement, regardez les résistances de Talik, c'est vrai que j'avais pas vu ça. Là. Il y a régénérateur, pardon, du coup. Il y a le buff régénérateur. Là. Générateur, pardon. C'est bien joué. Elle de bois. Ouch. Nous avons un Roublard qui vient de foutre du 12600 sur un sacréur. Ah, quand... The Hard de ah ouais. BTH. Ah ouais, 12600. Bon bah écoute. Tu peux répéter l'information, j'ai pu pas comprendre. Un Roublard qui a ça m'étonne même pas, tu vois. Du 12000. Avec un FK, c'est tout dalle. Hein. Mais c'est... Nous on attend encore les gros dégâts pour l'instant. Bah oui, mais pour l'instant, mais... c'est le. Ah, là, c'est la guerre Tatsumaki. De placement, là. Tatsumaki a une zone. Non, il est mort. Il a 3 PA sur lui. Il est mort. Oh non. Putain, mais non, mais il y avait une zone. Bon, il a encore 3 PA quand même. Ouais, mais il peut rien faire avec 3 PA. Il peut faire un samedi. Voilà. Un contrôle. J'enlève de la résistance haut. Voilà, c'est tout. Ouais. Oh, c'est fini. Dommage. Et gros tour de Tats, là. Ouh. C'est le meilleur tour qu'il ait fait pour l'instant. Ouais, mais attends, il a fait un gros tour hein, pour quelqu'un de déphasé. Ah oui, non, ah oui c'est vrai que d'un côté. Même lui, même ouais. Déphasé, il arrive encore à avoir des PA, tu sais. Alors, le FK du potager qu'on n'a pas encore vu pour l'instant. Le FK reste encore une fois dans l'ombre. Alors, il vient de. Ah, provoque sur le sacri. Après, il y a un truc qu'on voit pas du tout dans ce tournoi et ça m'étonne à moitié. Bon, certains diront que c'est de la merde, mais j'ai pas vu un seul ennemi sur les matchs que j'ai arbitré et regardé utiliser le debuff dégâts de Psychose. Même les FK utiliser le bâton FK. Bon, pour le bâton FK, je comprends 4 PA c'est un petit peu cher pour des combos. Mais... Ouais, on a vu, ouais, bâton FK, mais une ou deux fois et Psychose. Le bâton FK. Sur les matchs que j'ai regardé, j'ai pas vu une seule Psychose propagée. Il y a déjà un mort du côté de l'équipe de Liège. Ah, compliqué. C'est compliqué. Ah, le sacreur est mort. Ah, c'est très compliqué. Zahard. Ouais. Et en plus, c'est du côté de la team adverse, donc pour le reste, c'est pas possible. C'est quasiment impossible. Il va se faire des pop. Ouais. Sûrement, ouais. On va voir. Ouais, tenez-nous au courant, les mecs. Donc là, il y a toujours 13 de sacrifices sur le Roublard. Bilboulix qui est invincible. Voyons voir ce qu'ils vont faire. Côté de la team Atatsumaki, Tali qui était vraiment en danger. Ouais, il faut pas grand chose hein, là. Mais là, vous voyez, il a stabilisé le sacri, tout simplement pour que le sacrifice ne fonctionne pas. Il va probablement l'achever avec un de ses autres persos. On voit pas trop lequel, parce que après c'est Lenny. Si, le sacrifice ça fonctionne, mais il bougera pas quoi. Le sacrifice fonctionne même quand on est stable. Bah oui, maintenant ça fonctionne. Oui. On n'est pas encore dans cette phase de dégâts. Hein. On a encore quand même. Il y a encore beaucoup d'assauts, de transpositions.
téléportation, enfin il y a encore beaucoup de placement, de possession. Là, le Féca, le Kouété est totalement isolé. Enfin, les deux Féca sont isolés en fait, mais vraiment. Je trouve que Fika, il est un peu limité dans ce qu'il veut faire. Il a rien fait encore, enfin il avait presque rien fait avec son panda et son sacré là, il avait rien fait non plus. Il s'est fait counter sur toutes ses opportunités en fait, hein. On a bien vu. Tentative de focus au début qui a été avortée. Une tentative pour ramener le panda qui au final n'a pas réussi à être concrétisé non plus. Alors que pendant ce temps-là, bah, l'équipe de Tats, elle prend le terrain. Quoi. Elle fait cas, il s'est installé là-bas dans le fond, il a pris la place de l'autre Féca. Pour 8 à 10 ans, 3000, 4000. Ouais. Ah. Ils ont réussi à res Zard. C'est ça. Jacques Fleur est à nouveau vivant, il s'est fait rocon derrière. D'accord, super. Tranquille. Une bonne nouvelle, Guess qui doit respirer un tout petit peu. Ouais, et en plus, il a pu prendre la prévention. Allez, bonus de vélocité. Du coup, au niveau des stats, la victoire pour l'instant c'est quand même serré-serré ou. Un avantage pour qui? Parce que nous, là, actuellement, peut-être un petit avantage pour la team de Tatsumaki. Et de l'autre côté, ça donne quoi? Il y a quand même un petit avantage, je trouve, pour pour la team un peu mixte, celle qui avait tué le Sacreur, mais bon. Ça va peut-être se retourner, parce que Captain, le Xelor, vient de se faire prendre par la team de Gaku. Alors là... Là, on a notre ami le roublard. Oh, magnifique. Placement bombophobe. Oh, ça va péter. Hein? Pourquoi il a pas utilisé roublard? Ah, il est peut-être en cooldown, c'est dommage. C'est dommage, il profite pas des dégâts indirects. Là, c'est bien joué, de former une zone là-bas. Hop, le bonus PA. Pour les deux persos. Il en profite, hein. Oui, avantage en draconis, ce Zimas. C'est rien net, hein, au niveau terme de possession de map. Ouais. Oui, là, c'est sûr, en draconis, c'est un avantage. Après, il faut pas oublier que la team potager, là, elle a de quoi retourner un combat. Hein. Roublard bien placé avec le Féca qui aura fait ce qu'il fallait avant. Pouf, c'est fini. Faut juste trouver l'occasion. Voilà. Je crois que le petit Ténérep Sadolès va prendre cher. Yosuka, il se fait plaisir avec les bombes, c'est un truc de fou. Ouais, ça lag un petit peu depuis deux tours. Là. Peut-être un des joueurs qui lag. Ouais, bah effectivement, il n'a pas grand chose d'autre à focus là, il n'a pas accès au panda à moins de replacer son cadran. Okay. Ouais, voilà, c'est ça le problème. Ouh, joli! Oh, la petite aiguille! Aiguille à 3000! Ouais, 1903 000, ouais. C'était joli. Ah! Bah, nous avons Captain qui vient de se faire sortir du combat par Down Again. Et des pops. Et en plus, il a été des pops. Bien joué à eux. Voilà, du coup, il y a Tats qui est en danger. Oui, mais... Il y a Lenny après, et Tali qui joue juste après. C'est pas... C'est danger entre guillemets, quoi. Voilà. Et le live, c'est tout. Je pense qu'il va... Il imbibe, et c'est la vague. Salut, d'abord. Est-ce qu'il va essayer de faire le placer ou le soigner? C'est à côté du tonneau pour le soigner. Ah d'accord, il préfère placer et ouais, donner un petit coup. Il le porte, comme ça Tatsumaki n'est pas... Bien joué. Et en plus il s'est stabilisé grâce à l'éther, du coup... Bah, il est... Ne craint rien. Il est free là, ouais. Absolument rien, non. Quand ils arrivent à des pop le panda. Salut à toi, Mito. Pas vraiment... Ah ouais, Fika est en difficulté, c'est pas...
vrai que là, du côté de l'équipe de perso qu'on connaît. Il le remet dans l'église. Voilà. Ça, ça veut dire tu bouges pas. Non mais en fait le Zina, si t'as pas compris, en fait il s'est stabilisé parce qu'en fait il pouvait être déplacé en fait. Et du coup s'il se déplace, il lâche Tatsumaki et Tatsumaki est à nouveau vulnérable face aux dégâts. Attention là. Ouais, c'est ça. Attention. Du coup, c'est un panda qui porte, celui qui est dessus, il tombe. Oh là là, le râle de PA. Oh, le petit vol de vie là qui, mine de rien, est assez important quand même. Hein. Oui, oui. Ah, il a récupéré 700 HP comme ça, free. Hein. Et plus 2000 HP d'armure. Voilà, la prévention. Donc, du coup, Zimas, la... c'est obligatoire en fait, sinon. Ouais, sinon, un tatoueur poussant et. C'est vraiment en danger. N'a pas de sort de pousser. Bah pas spécialement, c'est pas forcé, c'est pas du tout un fail parce qu'ils sont pas censés connaître les decks des adversaires. Ouais, Miko, j'ai reçu hier pour mon anniversaire. Hey, hey, hey. Ce soir la Juve y joue. Je suis content de le porter. Et non, dis-moi, c'est pas du tout un fail. Ça, franchement, ça aurait été un fail si ils l'auraient pas fait parce qu'ils sont pas censés connaître les decks des adversaires et il aurait pris un risque vraiment trop. Bah, ça aurait. Ah non, pas du tout. C'était une stabi de sécurité, tout simplement. Voilà, c'était pour parer à l'éventualité qu'il pouvait se faire pousser. Tatsu pouvait être vulnérable. S'il l'avait pas fait, effectivement, il était vulnérable. Donc, il fallait mieux le faire. De toute façon, personne ne prend le sort de pousser et il était trop loin. Ouais, enfin, quand tu vois un peu tout le PA qu'il a utilisé, où est-ce qu'il est, enfin, le tour qu'il a fait. Oh là là, le Faker qui se fait râle méchamment là. 8 PA, 2 PM. Ah ouais, là par contre, ouais. S'éloigne des glyphes. Allez, on se casse. T'as raison. Pika qui lag, c'est dommage. Ce serait vraiment dommage. Que le combat soit foutu à cause de ça. D'accord. Donc Koete qui nous informe qu'il avait crash et du coup. Non, c'est pas Koete, pardon, c'est. Fika. Non, c'est Fika. Il y a qui a crash, effectivement. Alors, oui. On buff. Crat. Là, on repart sur un double focus. On va voir. Hein. Il y a le... Là, voilà, c'est l'occasion pour Fika de foirer tous les placements de Tats. La team de Tats, pardon. Ah, il va reprendre possession de. Ouf. Oh le sacrifice. Il a sacrifié le roublard, sacré PO. Ouais, le sacré il a fait un bon tour. Il a été utile. Il a viré le crâne du tonique, un petit sacrifice. Pour plaisir. Des petits dégâts résiduels. Hein. A totalement bug. J'espère qu'il ne bug pas. Bah, ils sont tous barrés, tu vois. Non, pas 30 d'un coup, tu peux pas. Yazimas qui nous parlait, et Miko aussi. Bah, Yosuka vient d'être tué. Non, ils sont 31. Le Xelor Down Again vient encore de faire ce kill.
Ouais, ils sont 31, c'est bon. Ça fait donc 2 morts à 0 pour l'équipe de Liège. Ok, donc ça va être pour Liège. Oui. Ah, c'est Liège qui a l'avantage, quoi. Oui, oui, c'est 2 morts dans l'équipe qui affronte Liège. C'est ça. Voilà, ouais, donc Liège a 6-4 pour l'instant, quoi. Mais il galère quand même. Ah oui, c'est pas forcément gagné, mais... Allez, on va continuer de... Alors, on va voir un peu ce que ça va donner avec les inhérités. Encore le PVP dans Wakfu, et bah oui, ça existe encore, Gold Wars. Bienvenue sur... Le 6v6, oui, ça existe. 6v6, c'est même... Depuis la modification des persos, le 6v6, c'est vraiment très très intéressant. Oh, même avant, c'était déjà un excellent format, parce que de toute façon, le 6v6, ça reste du tactical, quoi. Bon, après, Ankama, il s'amuse à développer des features sur du 1v1, on n'y peut rien. Hein. Et encore, c'est même pas équilibré, quoi. On espère un jour une arène ou un coliseum à la Dofus, on espère. Alors. Régénérateur sur TAS, attention, il doit péter un câble sur le TS, là, il va dire c'est bon, je vais faire la game. On va faire en live qu'on veut un mini staff de la régénération. Ah mais c'est surpuissant ce truc. Bon, revitalisant qui met le... Ouais mais bon, de toute façon il était à peine écorché, c'est pas grave. Il reste 3 PA, on va pousser Fika. Ah bien joué. Pour libérer... Ouais, Lenny c'est pareil, il a bien joué, il a eu son utilité dans son tour là. Parce que le lapin a joué, je sais pas ce qu'il va en faire. Ouais, ça me pas qu'il puisse faire grand chose d'utile. Qu'est-ce que tu veux dire par très peu en fait gold? Après ça dépend le serveur sur lequel tu joues en fait. Il y a beaucoup de PV. Grand chose en fait, hein, vu que c'est un serveur qui... Mais sur Air Rafale, il n'y a plus personne, tout simplement. Il est beaucoup soigné, non? Hein? Il a soigné du 600 et il a beaucoup soigné. Ouais, ouais. Je trouve aussi qu'il a beaucoup soigné. Je pense que c'est un lapin normal. Hein. On va voir un peu ce que ça va donner en super lapino quand même, d'accord. Ouais, c'est vrai, ça doit promettre. Alors là, il s'est un peu fail, hein, si je me trompe pas. Il va pousser... Le bar brûlé, normalement, c'est pas censé être... Le personnage hein à côté d'une bombe. Non, c'est si tu lances sur la bombe, ça attire de deux cases. Là, tu vois, voilà, il a fait porter la bombe. Ouf, 2900 sur Talik à la bombe, j'ai pas vu sur Tats. Moi, j'aime pas artificiel des joueurs est trop aléatoire. C'est qui dit ça? D'accord. Non, la bombe de Fical a été très bonne. Hein. Elle a fait chier. Elle met Talik encore en danger. De retour sur la corde raide. Bah, Talik n'est pas trop en danger vu qu'il est sacrifié. Oui, c'est vrai que. Il est sacrifié, mais au prochain tour, s'il reprend une bombe... Oui. Oui, il fait quoi, Jasvir, là? Jasvir, il peut... Enfin, je sais pas ce qu'il fait. Je relance le jeu pour voir s'il peut... Ouais. Mais PC réparé au fait. User was moved to your channel. Le sacrifice de Talik n'a pas fonctionné. Hein. Ouais, le sacrifice de Talik ne marche pas. C'est ce que je pensais. Est-ce que ce serait pas un bug d'affichage pour nous que... Peut-être. Et que le sacrifice est déjà barré depuis longtemps, parce que je trouve étonnant qu'il le focus, il est sacrifié. On n'a pas eu de bug d'affichage avec le... Je sais pas. Bah là je le vois à 0%. Ouais. Moi aussi je vois 0 point de vie, mais pourtant je le vois encore. Ah, 0 point de vie, ouais. Ah, c'est bizarre. Oui, le sacrifice je le vois à 16 aussi. Mais là c'est pas normal parce qu'il a pris 3 horloges, il aurait dû. Il y a encore 2600 points de vie. Ok, 2600. C'est bizarre. Hein. Ouais, c'est pas agréable un mode spectateur qui bug comme ça. Bah, c'est surtout qu'on se base sur les... on se dit pas, il est sacrifié. Oui, en fait, voilà, ouais. Enfin, faut...
faire les commentaires, on se... Ah, oui. Zone, hein, la petite zone. Ouais, à la ouais, le toilettage. Oh. Flasque. Hop, on consomme les raisins et on chope de la prépa. La tête, il va focus. Voilà, il va focus. Oh, mais là, il va peut-être de pas le finir. Non, non, il a bien fait de pas le finir. Il savait très bien que le Xel arrivait derrière et que c'était le, oui. La momif. Hein. Là, il va chercher à le dépop surtout. Donc à le tuer et à le dépop en même temps. Quoi oh. Le Feka qui va le faire. Juste derrière, c'est Kouete. Alors d'ailleurs, où est-ce qu'il est Kouete? Ah, il est là-haut, d'accord. Le Joe, le boucher. Hey, Joe, le boucher. C'est un de mes viewers, je le connais. Chercher. Je fais coucou. Je ne sens tour, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Il aurait dû se mettre devant Talik parce que là, le FK va TP. Je pense qu'il va pouvoir l'armure pas. Non, il fait autre chose. Ah bon, bah d'accord. Décidé, ouais. Il est en trave là. Ils savent que, je sais pas, je pense qu'ils sont partis sur OK, le panda il tombe, mais derrière, on peut faire tomber le Xel ou je sais pas quoi. Et encore, ah là là, il y a Ficassa, quoi. Oui, mais regarde, d'un pouvoir côté, le finir. D'un côté, c'est bien joué parce que du coup, le Salki va chercher le panda. Alors, on le termine. Ouais, mais il va pouvoir le dépop là. Il va pouvoir le dépop. Ah, avec ses 1PA là, non ? Il a pas un sort 1PA ? Ouais. Ouais, c'est impartible. Il a peut-être un sort. 3PA et 2PM. Il manque plus 2. Ouais, mais ça c'est pas grave dans tous les cas. Il y a ça encore, hein, mais les NIM ça ne peut pas ouais. Apporter. Ah, bien joué. Mais si, Lenny, il est juste là. Mais non, mais il y a le Saki, il y a le Gawari qui peut encore le reculer, qui peut encore faire quelque chose. Placer où ? Il va faire quoi ? Et merci pour le follow, Galois, ça fait plaisir. Là, effectivement. Alors, comment est-ce qu'il va gérer ça ? Non ! Ah, il a essayé de. Ouais, là, il l'a bien bloqué. Non, non, il l'a aidé. J'aurais mis plus. Oh, il a avancé. Ah, oui, la psychose. La psychose. Un gros misplay de la part du Saki, j'aurais pas du tout mis là. J'aurais pas mis là non plus. Ah, j'aurais encore plus reculé, tu vois. Mais c'est très bien, bah, c'est tant pis, voilà. J'aurais RTP, ouais, j'aurais refoutu au fond. Bon, du coup, Taliki. On augmente les dégâts finaux de Ficasex. Et oui, Ficasex qui joue juste après. Ouh là là. Il y a eu quand même pas mal de dégâts finaux. T'as combien de relances le. Comment s'appelle Déphasage. Très bonne question, tiens, je sais pas. Si je me trompe pas, ça n'a pas de relance en fait. Je crois que c'est un par personne. Par combat. Par combat. Ouais, par personne, par combat, sans tour de relance. Plus, il peut plus se faire déphaser alors le roublard. Ah non. Ah non. Donc Talik. Ah, une fiole de douleur. Tué par. Du coup, tué par Lenny Ripsa. Bah, Lenny Ripsa l'a dépop, mais celui qui l'a foutu à terre, c'est le sacré. Ah, bien joué! On va se concentrer sur. Alors, il y a une relance sur Defa, nous dit Ficassex. Les Imas aussi. 3 tours. Alors, donc, il y a un 0, ouais. Waouh! Voilà là! Ah ouais, ouais. Ah ouais, ça attends. Pique les mégas, ça pique. Et là, ça va être autour de la retraite, hein. Et en plus, ils ont. Une recette de 6 centimes vient de se mettre à terre. D'accord. Ah, ça, c'est mauvais pour eux. Mais là, c'est. Là, de notre côté, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la crate, et Miséricorde, en fait, elle est totalement passée dans l'ombre. Et elle est encore sur sa case. Elle se prend aucun dégât. TSPA. Ouais, ouais. Là. Voir qui elle va. Ouais, ah, c'était sûr. Oui, bien joué. Le Xel, il va y passer. De toute façon, il veut sa mort. Ah oui, là, il y a un terrible focus. On le râle. Ouais.
Bien joué. Allez, on essaie de lui retirer des PM, mais malheureusement, il a trop d'hyper mouvement. Et on se repositionne sur une case. Ah non, ah si. Là, c'était pour l'affûtage qu'il a gaspillé un PM. 2 PM et 8 PA, il a plus rien. Ah oui, il le bloque complètement, il l'entrave à mort. Et là, il va essayer de terminer. Il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. Non. Là, c'est déjà résistant pour un point de Zellor. Et ouais, 3000 PV à descendre. Pas oublier que Tad ça a un régénérateur et que plus on va le taper, plus il va envoyer des claques quoi. Oh. Alors. Les cartes à trop chauffer. Ah, j'emmènerai le FK assez loin moi, pour éviter qu'il fasse un truc sur. Tout à l'heure il fait ça, mais le truc. Je pense qu'il va déjà commencer à dégager. Il va chercher Tad, ils veulent finir le focus, ils veulent le tuer. Voilà. Ils sont satisfaits de leur premier kill. Et... Ah voilà, oh, ça c'était bien joué. Ça c'était bien joué, 2 PM, 8 PA, voilà. À la guerre comme à la guerre. Et le Xel qui va taper le Xel. Ah mais il fait plus de dégâts Tatsumaki. Ah bah oui. Bah, il est boosté par régénérateur, il a été boosté par quoi d'autre? Ouais, il a 0 points de vie, là, Bilbolix, ça veut dire que... C'est le FK, Peu l'armure, oui, éventuellement. Il y a un truc que je me demande depuis tout à l'heure, pourquoi les FK ne font pas la provocation? Si, on a vu une provoque sur le sacré tout à l'heure. De temps en temps, mais... Faut la sortir au bon moment. Il a 350 HP, Bilbo là. Bon, il l'armure. Ah, je suis pas sûr qu'une armure élémentaire suffise. Hein. Moi, j'aurais plutôt tenté l'ADP. Ça le met à 2000. Ah, il a dû avoir un petit bug. Le tour de. Ah, bah oui, il fallait la mettre. Armure parfaite. Bien joué. Voilà, c'est ça le FK, c'est ça. Eh oui. On va pas chercher de Xelor, on va entraver la provocation sur Sacri, voilà, ah, c'était évident. Joli. Et on va buffer encore le Kra. Je pense qu'ils misent tout sur le Kra en fait. Hein. Ils veulent que le Kra termine le Xelor. Ah oui, oui. Il a la portée avec le boost de PA. Ah, le sacrifice, oh mon dieu! Et le sacrifice, c'est son ligne de vue. Oh là 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 là, le sacrifice qui vient encore sauver Vivolix, hein, c'est. Oh là 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 là! Ouais, faudra être attentif par contre et bien regarder si le sacrifice descend pour nous, spectateurs. Ah, effectivement, tout à l'heure, je pense qu'il y avait un petit bug là-dessus. Assaut, voilà. Ah, d'à côté, ils peuvent quand même se taper les Niripsa. Et... Ah, l'entrave roublard. L'entrave roublard, sauf que le roublard a encore le sacrifice. Embêtant tout cela. Et on embête. Là encore. Là là. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, mais il a un malus. Déphasage sur Sacri, voilà. On va l'empêcher de placer, de faire chier. Ah, il va essayer de pousser le roube en dehors. Ah, c'est bien joué. Bien joué, mais il pourra pas. Eh oui, dommage. Effectivement, il fallait peut-être pas. Pourquoi il pourra pas, il peut pousser deux fois. Et oui, il aurait fallu l'invoquer une case à côté qui prenne pas le glyph PA en fait. Mais je pense qu'il avait pas le choix. Il avait pas la PO, ouais. Si, la PO elle est grande, hein. C'est un misplay de sa part. Hein. Il avait un malus PO. Allez, on soigne. Il avait un malus PO ? Ouais. Ah, peut-être il s'est dit aussi je vais pas prendre le risque qu'il perde tous ses PM. Ah, c'est pas faux. Nous avons WhatsApp qui s'est suicidé à la furie sanguinaire. c'est fascinant.
Ça c'est classique aussi. N'empêche, on est... Et qui derrière a tué Down Again. Ah, pas mal. Oh. À nous quand même de notre côté, en fait, on va atteindre bientôt les 1 heure de match et... Donc ça va être un match terrible. Il y a du spectacle, hein, c'est retournement de situation. Il manque de DPT ou quoi? Non, non, c'est juste qu'au moment où DPT, il y a toujours, en fait, entre chaque DPT, il y a un joueur qui est de soutien qui est là, soit pour heal, soit pour poser une armure, soit pour placer et tout. Donc c'est... Ah, l'initiative là prend tout son sens d'un côté. Donc c'est la merde et c'est très intéressant. Il y a Roublabot qui peut jouer. Il a pas la... Ah, il peut pas faire grand chose à part du placement utilitaire de toute façon. C'est pas mal comme petit placement. Oh, le crack qui passe sa vie à se régénérer avec un saisissable, c'est terrible. Le crack c'est fort. Hein. Non mais il a complètement été oublié le crack en fait. Personne le tape. Il est dans son coin. La cinglotte, on l'attendait. Plus le glyph PM, ouais, le fika sec c'est mal barré. Ah non, t'as tout. Il est en armure de la paix. Ouais. Ça sent l'horloge. Ouais, ils vont commencer le crack. Ouais, voilà. On stack le gel et bim. Il perd pas un PA. Dingue, il a réussi à retirer aucun PA. Il a pas d'hyperaction en plus. Hein. Il a 40 de résistance. Il va venir du stuff, je sais pas trop quoi. Aucune perte PA. Ouais, mais il a 40 de résistance PA. Je sais pas d'où ça vient. Mais... C'est ça. Il veut l'empêcher de tuer il aura. Et tu crois pas que ça va se terminer autour là justement? Ah non, bah, il va y jouer juste après, ok. Ok. Bah, t'es en tour tic. Non, et pas en tour tac, ok. Ah bah il aurait pu se mettre en tour tac. Les synchro, ouais. aussi impressionnant la râle sur un Xel. Ouais, les Xel ça râle beaucoup les EPA. Ah mais je veux dire le râle PA sur le Xel. Le sacrifice c'est encore bugué hein. Mais ils en profitent, il en profite. Et bah c'est bugué chacun son tour. Ouais. On va faire monter ça, Alias, c'est un bug. T'es stable sur le sacrifice. Ah d'accord. Eh ben voilà, mais je vous l'avais dit. Le stab empêche le sacrifice. Oh là 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 là. Mais non, avant ça le faisait. Mais ça non, 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 tout à l'heure, le PA était stable, il s'est stabilisé pour Tatsumaki. Voilà. Il avait le sacrifice. Et du coup, c'est pour ça qu'il a pas pris de dégâts. Ouais, mais hier ça marchait, non? Ah, je sais. Oh, faudrait regarder. Mais non, hein, les gars. Non, ça a toujours été comme ça, si le sacri est stable. Le sacrifice ne marche pas. Justement, ils ont fait en sorte que il échangeait plus de place, mais il prenait quand même les dégâts. T'es sûr de ça? Oui, je t'assure. Alors peut-être que il va falloir vérifier ça au niveau de l'arbitrage, par contre. Hein. Je pense que ouais. Et là, ça va être très compliqué pour Fika, parce que là, il y a Kouete qui est juste à côté. Vous débarquez sur Wakfu. Là, on est des joueurs normaux, hein, on n'est pas. Par rapport à la stab, y'a tout le monde qui le dit, Zimas. Eh ben voilà. Sacri stab, fini, hop. Mais c'est ce qu'on a dit, Zimas. Là, ils l'ont juste confirmé. Mais non, mais c'est ce qu'on disait, que la stabilité annulait le sacrifice. Moi, mais à suivre tout à l'heure, mais oui, là, c'est sûr. Là, on a eu un truc dans. Après, ce que tu dis, ce que tu disais, c'est pas con. Il me semble qu'à un moment, le sacrieur, il parlait de faire fonctionner le sacrifice sans déplacement. Mais ça n'a jamais été fait.
Hein, surtout fou s'il se déplace aussi. Non, il se déplace. Je sais pas, ça fait très longtemps que j'y suis pas allé. Il prenait les dégâts sans se déplacer, du coup ça faisait mieux. Non, mais il se déplace plus sur Walkfire Dofus depuis très longtemps. Ouais, voilà. Avec l'allié pour oui. Bon bah Alias vient de gagner le premier combat. C'est vrai ? Et personne n'est d'accord sur le sacrifice là. Ah oui non mais. Et sur Wakfu c'est un peu bizarre, il y a des moments où je vois que quand tu utilises le sacrifice ne fonctionne pas et des fois il fonctionne, tu prends les dégâts mais sans être déplacé, donc on sait plus à quoi s'attendre maintenant avec ça. Mais je sais que la stab empêchait le sacrifice avant la mise à jour des decks. Du coup, c'est intéressant d'un côté, les gars, parce qu'en fait, là, pour l'instant, on a eu que deux morts. Ouais. Et en fait, les deux morts qu'on a eues, bah, c'est à cause de ce sadique contre le sacrifice. Effectivement, oui. Je pense qu'au niveau de l'arbitrage, il va y avoir une décision. Bah, d'un côté, là, pour l'instant, ça n'entrave pas, parce que, enfin, comme le disent les joueurs de l'équipe de Tatsuki. Je parle pas de sanctions, attention, je parle surtout pour la finale à venir, savoir ce qu'on va faire par rapport à ce sacrifice, se renseigner si la stab bloque toujours le sacrifice, ce qui pour moi est logique et je considère que c'est le cas. Après, si certains me disent que pendant le tournoi, il y en a qui ont quand même, que le sacri a quand même subi des dégâts sans se déplacer en étant stabilisé, là il y a un problème. C'est ce que je viens de voir dans le combat de Liège face à l'air. Voilà. Il me semble qu'il y a un problème sur le sacrifice. Ouais. Il va falloir. Il y a du focus sur Tatsumaki. D'ailleurs, il y a l'igno. Mais Tats, de toute façon, passe sa vie à osciller entre 6000 et 3000 PV depuis tout à l'heure. Et d'un côté, au final. Ça marche. Mais oui, ils ont fait de lui une target en fait, et non. Et même dans, ils n'arrivent pas à le focus. Hein, il a fait que les quarts de finale, si je ne me trompe pas. Même dans les quarts de finale, c'était toujours comme ça. Il est parti dans le camp adverse dès le début. Il a massacré l'équipe adverse. Il a oublié, on l'a ramené au dernier moment. Il est toujours vivant. Alors pourquoi c'est... Je pense que bon, le combat contre Overbrew était un petit peu un combat troll. Il y a de la fiole de douleur sur les alliés. Il y a du lien de douleur. Ah, il a mis ça sur. Il a mis ça sur Tatsumaki et sur Tuban. Et non, sur Kuite, pardon. Ah, ça c'est bon ça. C'est intéressant, c'est bien joué. Ça c'est bon ça, j'attendais justement de voir quelqu'un qui l'utilisait parce que on est beaucoup à douter de son efficacité. Pas vraiment si elle vaut le coup. Alors, excusez-moi de vous couper. J'ai regardé la vidéo que j'avais faite sur le sacri de Liège et je lui avais posé la question si on stabilisait le sacri, est-ce que ça marchait comme avant? Et non, maintenant il prend les dégâts. Ah donc, mais là il a pas pris les dégâts. Oui, donc il y a un bug, c'est pas... J'ai pas forcément tort donc. Oui, non, en fait, je crois qu'on a tous raison. C'est la stabi qui fait bug. Oui, ça, oui, voilà, c'est à cause de la stabi que ça a fait bug. Mais. C'est la petite zone. Miséricorde qui est mal en point là. Attention, il y a peut-être un 2-1 de la part de la team. Le crabe va jouer là, mais après, c'est le panda qui va jouer. Ah, et le crabe il s'est fait oublier au début et maintenant. Ah, mais là, il a pris cher. Il est descendu super vite. Sauf que. Ah, c'est à lui de jouer donc il va s'isoler. Il va de Fika Sex, hein, fille. Pourquoi voilà, il va taper Fika Sex. Ah, mais il est sacrifié là, Il était stabilisé. Il n'y a pas eu de stabi. Non, il n'y a pas eu de stabi. Stabilisé, d'accord. c'est donc, compliqué là, c'est maintenant. Bon. Oh ouais, la destru. Bon. Pas si impressionnant que ça. Mais bon, c'est pas grave. C'est 2k HP de perdu quand même. Ouais, pour l'instant, les gros dégâts qu'on a vus, c'était ceux de Tats tout à l'heure sur le Xel. Ouais. Ah. Bon, on se souviendra tous de ces dégâts de fou du moins 500 alors qu'il était défa. Oh, l'immense zone. Hier, il y a eu la même chose, un Xel défa. Au début du tour, il a récupéré 5 PA. Il a quand même casé une horloge, tu vois. Attention. Alors, où est-ce qu'il va le jeter? Ah, il le garde sur lui, c'est bien joué. Mais je crois que Tatsumaki, il peut le... Ah, mais voilà. Il y a un problème. Il pouvait pas se stab, il y a un bug de Décoreco, malheureusement. On va. Ah, c'est cool. C'est dommage pour Fika qui a planté sa stratégie. Je comprends. Et après, pour un minimum de fair play, je pense qu'il faut quand même laisser le combat se dérouler. C'est dommage de s'arrêter là alors que le combat est quand même assez intéressant. Oui, quand même, hein.
Ouais, oui, bah oui, c'est vrai. L'équipe Tatsumaki reprend un coup. Ouais, et là, c'est à cause de la déco reco. Bon, après, d'un côté, ils peuvent faire du 2. Ah, bien joué, l'armure de la paix. Comme ça, ils sont sûrs que Fikasek se joue son dernier tour. Ouais. Bon, bah là, c'est l'Okra, de toute façon, là, faut sauver l'Okra. Et après, c'est le Sacré qui joue. On est en train de discuter entre les deux teams. Hein. Mais les stats du Kra, parce qu'il est sur le point de tomber. Bah, il a reçu 1k4 d'armure, là. Ça va lui permettre de survivre un peu autour de Lenny. Alors sacré contre sacré. Ouais, il va sortir le. De la Juve, popo fidèle, toujours mec, toujours fidèle à la Juve. Ah, quand je vais commencer à faire des petites vidéos sur FIFA 16, ah je le mettrai, tu vois. Puis derrière il y a le nom de joueur préféré, mais ça j'en. Bon, là, il a essayé de bloquer le Feka, je pense. Ouais, mais regarde, bien joué. TP tonneau, et là, je pense qu'il va pouvoir isoler totalement. Ah, il va le re-TP. Voilà, ouais. Bien joué. Remet le Sacri là-bas, libère le Feka. La fracasse, bon, ça sert à rien. Mais... Si, ça. Bon, ça. Ça réduit l'huile, quoi. Oui, ça... c'est ça, c'est le principe. Je trouve que par rapport à hier, il y a quand même beaucoup moins de fails. Hein. On n'a pas vu de TP stable, de trucs comme ça pour l'instant. À part le sacrifice qui. Ouais, ils sont vraiment concentrés. Ouais. La durée des matchs est beaucoup, beaucoup plus longue. On sent en plus la tension, quoi. La Fika, on a l'impression qu'il va se suicider parce qu'il a crash. Non, mais après, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que on. Tu sais, par rapport à ce qu'on a vu hier, perdre un joueur, ils sont pas là. À abandonner, tu vois, ils changent leur stratégie et puis ils arrivent à égaliser. Et là, pour l'instant, il y a l'avantage à Tatsumaki, mais ça peut se retourner. Le deuxième combat va pas tarder à commencer chez nous. Kian nous a déjà montré qu'il maîtrise sa team et voilà. Bon, il a un désavantage, c'est qu'il est seul sur les 6 comptes. Au niveau de la gestion des états, c'est compliqué et il faut avoir une concentration de malade. Mais je pense qu'il est parfaitement capable de gagner contre Tat. Après, pour l'instant, l'avantage est à Tat. Bon, après, il faut pas oublier que c'est le premier match. Il faudra une deuxième victoire de la part de Tat pour gagner. Oui, non mais. Là, attention. C'est toujours mieux de gagner le premier match au niveau du moral, cette confiance. C'est... Et je me demande un peu s'il n'y aurait pas eu le bug pour la. Je pense qu'il aurait gagné en fait. C'est ça qui. Je sais pas. Pas, parce que ça, ça l'empêche de se stabiliser sur le panda en fait, c'est ça le problème. Parce que c'est quand même un des atouts du panda. Et il y a beaucoup de stratégies basées sur la stab. S'il peut pas se stab avec le panda, c'est. Ça va le bloquer quoi. C'est dommage. On fait péter les bombes. Ah, allez, bien vu. J'espère qu'ils prennent les deux. Oh oui. Ah, le moins 32 pour la perte de PO aussi, c'est un. Sa bombe aveuglante est pas montée, peut-être. Miséricorde. 12 PA, Miséricorde. Hein. Elle va peut-être finir. Il continue. On continue même pas à forcer les dégâts, en fait. On est là vraiment pour profiter de. Toujours. Dans la guerre de placement et d'entrave, effectivement, oui. Il est en zone. Oh bien joué, il a pas ouais. C'est joli. Franchement, c'est très bien joué de la part du Kra. Le deuxième combat est lancé. D'accord. Donc pour l'instant, 1-0 pour l'équipe alliée, c'est ça? C'est ça. Okay. Ouais. Ah, vous êtes content. Ah ouais, Fika est dans la merde. La pression offensive de Tats commence à se renforcer là, c'est
C'est de l'entrave à chaque Ah, tour. il a confiance, la tasse, donc il va pas s'arrêter. Et... Ouais. Salut à Ah toi, oui, c'est joli clair. Sparadrap Ben. Enfin, Sparadrap Ben. Okay. Et oui, c'est des jolies demi-finales. Hein. Là, le premier match est très intéressant. Il va encore le pousser. Ah, quoique. Bah oui. Bon, il l'a pas en Ah, ligne. alors C'est bon, attends, c'est il bon, c'est bon. va. Ah, un misplay? Ah non, non, La pardon. TP, La non, non, la TP, il va TP, le pousser. horloge, horloge, voilà, Horloge, horloge. d'accord. Oh. Il a voulu optimiser une zone, c'est bien vu aussi. Ça reste dans l'optique d'entrave, Voilà, c'est voilà. ça, c'est bien. Là, c'est au tour du FK de jouer. Et le roublard, 9 PA et le panda 8, ça n'aidera pas du tout. Armure pour se détacler, pas le choix de toute façon. Drôle, c'est qu'on a toujours automatiquement un personnage qui est complètement oublié du combat, qui est en dehors de la mêlée. C'est Avant ça! c'était le Kram, maintenant c'est Lenny qui est C'est en train de s'y Lenny! passer petit à petit. Et C'est mine de bien, rien, mais ça c'est bien marche parce joué! qu'il attire pas l'attention sur ce personnage-là, et on se rend compte que c'est le personnage entre guillemets clé, quoi. J'avais Lenny peur, Sparadra! tombe, c'est mal barré, quoi. Sparadra qui écrit: Ouais, je ne cautionne pas mon pseudo Twitch, mon pseudo Wafou ne passait pas à cause des gros mots! Bon, c'est pas grave! Hein. Alors du coup, Fikasa, toi qui... Ouais, Fikasa qui est en train d'essayer de créer une zone. Après, Ah. Migawari joue juste après. Ouais, voilà. Là, tu tues lui. Ah oui, non, mais ça c'est l'anglais. Ah, il a rien Alors, perdu. le sacré 14 PA 4 PM, j'ai loupé un truc là. Il a pas perdu de PA. Il avait un tonique sous les pieds peut-être? Je crois, si je me trompe. D'accord, bon. Ça a cancel le debuff PA du glyphe bleu. On sacrifie le Kora, voilà. Sacrifice. Sacrifie en zone, il va même Attends. sacrifier le cadran, si je me trompe pas. Va falloir faire attention aux stabilisations du coup cette fois. Bon, la plupart des persos sont déstabilisés. Ah, ça va être très compliqué pour le Roublard car il est entouré d'Atsumaki, de PT et Sacrieur. Et du coup, il est entouré de trois persos. Ok, il forme à peu près une zone, hein, mais il est entouré par trois Non, persos qui mais. sont vraiment bah, qui ont beaucoup de vie, qui ont un peu leurs armures, qui peuvent vraiment le gêner. Et du coup, il peut pas taper le Kra. Enfin, Ah oui, bah là, le FK au corps à corps, déjà, ça voilà, va le entrave repousser. complètement. On le pousse dans la zone, voilà. Ouais, bien, bien joué avec le lapin encore, ouais. Sauf qu'entre deux, bah, il y a l'Inyaïmsa qui va le soigner, le Kra, et le Kra. Sacrifice. C'est une guerre d'usure, vraiment. Ah oui. Il y a beaucoup de défense et beaucoup d'attaques de chaque côté. C'est des compos très fortes, Et c'est la map. classiques, mais très fortes. C'est la map un peu aussi qui oblige ça. Hein. La carte en elle-même. C'est une guerre de position en elle-même, on n'a pas de vas-y, on isole tel ou tel perso, puis on lui tape dedans. Non, là il y a beaucoup d'usure, les glyphes ont une grande importance. Le soin en zone. Voilà, joli soin zone là, de la part. Ouais. Mais le combat s'est centralisé sur le bas de la map, probablement parce que c'est celui qui est le moins chaotique, je trouve. Ah, c'est. On a une vue claire sur le coin, on a pas d'obstacles d'ailleurs. C'est un coin de la map qui est facile à gérer et on voit bien, hein, tout le monde est en train de se regrouper là, bon, à l'exception de Lenny et du Fekka qui sont derrière, mais ça va arriver. On va finir dans une grosse Je mêlée, pense à qu'on mon avis. va taper les trois. Peux rien faire d'autre de toute façon. Voilà, c'est Ah, bon. belle attirance! Belle attirance, hop. Tout le monde. Un petit debuff aux dégâts des bombes. Et le Et Kra, on va là, faire c'est là, péter avec le bot. là, c'est Miséricorde Mito, en fait. C'est un membre de Hype.
Voilà, je vous mets un peu ses stats à côté. D'ailleurs, je les ai mises tout à l'heure en fait pour parce qu'il était sur le point de mourir, pour voir un peu. On va mettre un peu les stats de sexe parce que c'est peut-être de tomber. Petite précision, tu me corrigeras si je me trompe, mais c'est Talik qui joue Miséricorde Mito pour le tournoi. Je pense. Ouais, bah c'est ça. Ah. Une zone, ouais, il a une zone là, mais est-ce qu'il va pouvoir la rentabiliser? Je suis pas sûr. Hein. Pas oublier que le lien de douleur est toujours actif. Hein. Le lien de douleur sur le roublard et le féca est toujours là. Ah non, il est passé sur le sacré, pardon. Encore un engouement en plus de PA. On va voir ce qu'il va pouvoir faire pour le placement. Il remonte en 10 PA. Ah, il préfère tenter de. Ouais. Là, on rentre dans une phase de dégâts purs. Hein. C'est là, je pense. Ce passage. Non, il y a toujours moyen de faire de l'optimisation de zone, quoi. Mais oui, bon, les placements à coup d'assaut à 12 PO, bon, non, il n'y aura plus. Quand tu vois la vie des persos, puis là, dans la tête afficale, c'est bon, j'ai perdu. Malheureusement, oui, après. Regarde, on va encore zoner. La Tempesta, voilà. Display. Premier fail de la part de Tatsumaki. Je note. Mon dieu. Ah, mais. What? Il fait quand même du dégât. Ça, par contre, je dois avouer que je ne comprends pas. Ah oui. Alors, il tape le sacri parce qu'il y a le lien de douleur sur lui, voilà. Voilà. Du coup, plutôt que de taper le roublard directement et de décaler les dégâts, il a consommé des PA pour rien. Ah, faut faire attention, Tatsumaki, il y avait le lien de douleur, t'aurais pu taper plus, t'aurais peut-être pu finir le roublard. Ouais, je vais demander ça vite. On va protéger encore une fois le roublard, je pense. Bah, c'est le hard DPT, hein, il faut le garder en vie. Alors, on a toujours sinon, pas on pourra pas percer la défense. Alors, moi, c'est qu'on a toujours pas vu de glyphes dégâts en fait. Les glyphes dégâts, c'est un peu ce qu'ils utilisaient les fécans en 1v1 en fait. Et du coup, en 1v1, c'est très rentable. Là, tu vois, il y a une zone, il pourrait peut-être taper en. Enfin, c'est bien, je trouve, non et on le glyphe dégâts, le problème du glyphe dégâts, et en l'occurrence, surtout le tapis de flamme, hein, c'est de celui-là qu'on parle. C'est qu'il est gigantesque si tu prends Elementor et que tu vas le faire proc une fois, tu peux pas le dépop, et s'il y a un placeur en face, il va se gaver le mec. Ça va être une guerre de placement autour du glyph et effectivement c'est pas spécialement intéressant. Provocation. Ah là voilà. Ah quand on disait qu'il n'y avait pas provocation tout à l'heure, hein, il y en a là. Si eh, non mais une tous les trois tours, hein, quasiment. Allez. À chaque fois que le cooldown est fini. On finit. Voilà, c'est bien vu. Bien. On profite du lien de douleur, voilà, c'est tout à fait ça. Ah, il s'est buff lui-même en fait, le PK. Il a même pas buff le roublard. Ça a l'air, non? Comment ça, il s'est buff lui-même? L'armure? Ah bah voilà, ok, ça fait peur. Ouais, non, mais l'armure en magmatique, elle donne des dégâts en zone. Alors, bon, est-ce que Migawari va essayer de finir une bonne fois pour toutes le roublard? Il est sous non. Sacrifice, non. Oui, mais il est sacrifié. Oui. Ouais, mais je le vois encore à 16. Oui, mais non, mais. Sacrifié, il est stabilisé, si je me trompe pas. Oui, voilà, donc il peut tenter le coup. Après, il devrait pas le tuer, puisque Lenny joue juste après, dans tous les cas. C'est casse-pied ce bug sur le sacrifice au final, parce que. Faire attention, ouais, voilà. L'armure orbe s'est enlevée quand il a fait. Ah, d'accord, ok, merci, Wazaman. Oui, c'est bien ce que je pensais, il avait bien fait. Bon, de toute façon, encore une fois, le Kra, en fait, il. Pareil un peu. Hein. Bon, il se fait oublier. Il est là, il regarde le combat,
Il en a rien à foutre. Et personne ne bougera. Non, non, mais c'est très malin. Et que là, les persos sont très proches. Ali risque de la toucher. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Sparabra. C'est ce que Ri expliquait en fait. Hein. Ouais, ouais, ouais. Encore trop de placeurs en fait, du coup, c'est. C'est ça, c'est ça. Au début du combat, tu vois, tu le fous dans le camp adverse. Si t'as assez de PO, ça fait quelques dégâts résiduels. Ça peut être rentable. Après, quand on arrive tous en phase dégâts, ça sert à rien parce que ça va être du sacré qui va te TP dedans en permanence. Voilà. C'est pas drôle, c'est pas. Voilà. Je pense que là, la mission du roublabot, ça va être de bouger le Kra. Oh, le roublabot. Il pourra peut-être l'attirer. Il pourra peut-être l'attirer s'il se met. Ouais, voilà, c'est ça. Là, il y a du brain quand même, hein. Il y a du gros brain. Non, mais enfin, Fikasa pense avoir perdu, mais il a encore moyen de rattraper ce combat, hein. J'ai pas besoin de soigner. Gameplay, oui. Pas Fika. Ouais. C'est l'heure de combat quand même. Hein. Déjà. Ah, c'est des échanges, quoi. C'est. Bon, bah. On a décidé de disqualifier je... avec l'arbitre enfin, l'équipe de... D'éliminer en tout cas... Faire perdre le combat au... à l'équipe de Lies parce qu'il y a eu un use bug même si c'était pas voulu. C'est use bug quoi? En gros le panda qui portait le Xelor qui était sur un glyph tonique. Et ça distribuait PO2. Du coup c'est, c'est l'équipe de Lies qui s'est fait disqualifier. On leur a fait perdre le combat. Du coup, là, ils sont au troisième combat ou c'est fini? Non, c'est juste ils ont eu un combat, quoi. Ah, pas mal, là, le moins 2800. Ouais, 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 plus le... Ils ont perdu un combat, mais vu que ça fait un SPM. Important. Donc là, ça va se jouer sur ce combat-là. Quoi. Ah, c'est l'équipe de Lille. J'ai pas voulu. Ah, il peut pas chercher. Il a encore 13 PA, quand même. Bah, il a pas pu up son affûtage déjà, du coup c'est pas mal. Ah on dépop le bot. Ah, ça c'est bien, il faut toujours y penser quand on affronte un roublard. Le roublabot il a 3 tours de cooldown et franchement il est très fragile. Toujours penser à le défoncer. Un roublard sans roublabot c'est beaucoup moins efficace. Alors Marc Légende qui fait annonce, ça c'est un bug pour le glyph avec... PA, c'est que le panda qui gagne les PA et le glyph se ouais. Non mais non, malheureusement non, on peut pas. Tournoi, en fait, hein. C'est pas tellement on peut pas contester, les arbitres ont été briefés là-dessus, c'est tout type de use bug et peu importe qui l'avantage, c'est Oui, il a une zone. Ah ouais, mais ça reste un tour de moins. Pourquoi Tatsumaki? Ah le dépop, le dépop. La zone. Mon dieu. Et voilà. Picassex qui tombe. Et non, je crois que j'ai loupé des morts d'ailleurs. Et oui, là, Tatsumaki qui vient de... Yes. Mon dieu. Je pense que ouais... Tué par Tats. Du coup, c'est 5-5 là, c'est ça? 1, 2, 3, 4... Il me manque un, tiens. Et le glyph ne il dure 3 tours. Ah, pour une inversion. Pardon.
barra le circuit. Non mais Marc, ça a été vu en fait. Pas autorisé en PvP 6v6. Voilà, c'est les règles du tournoi. Après, je comprends pas. Moi non plus, je comprends pas trop ce qui. Comment ça? Attends, de quoi vous parlez? Ah, en gros, en fait, quand tu portes. Tu portes un mec sur une griffe, en fait, le mec, enfin, les deux mecs gagnent des PA. Ah, ce bug là, win. Oui. Non mais alors, attendez. Il y a une série de bugs par rapport à Karchamrak. C'est impressionnant et c'est de la démultiplication d'effets ou du proc d'effets un peu plus tôt. C'est pareil avec le nuage laiteux, donc avec le glyph tonique, avec l'armure parfaite. Il y a un nombre de bugs considérable et du coup tous les arbitres ont été briefés là-dessus. Quand un bug comme ça proc, bah voilà, c'est. Ouais, mais glyph tonique, c'est pas forcément un bug de. Mais là, il est en train de dire qu'en fait, c'est pas les deux mecs qui gagnent le PA, c'est. Panda, en fait, en gros, t'avais le panda qui portait le Xel. Le Xel ouais. Prend son tour, le panda gagne des PA et le Xel aussi. Et ensuite, derrière, au début du panda, comme il est encore sur le glyph, il regagne encore des PA. Donc en gros, le panda ouais. Gagne 4 PA au lieu de 2. C'est ça, et s'il y avait 2 glyphs toniques sous ses pieds, il en gagne 8. D'accord. Ah bah oui, ouais. C'est carrément, c'est carrément un bug avantage. C'est pas du ça, tout hein. Un désavantage pour eux. Ah non, non, attends, tu rigoles, tu fais proc. Les deux utilisations du glyph en un tour, quoi. Allez, ils l'ont vu le point. Ah, il soigne alors qu'il est incurable, je crois. Ah, bah non, bah si. Bah, bon. Bah, je vois Ficasp avec 0 HP, malheureusement. Oh là là, ce bug. Chiant, putain. Le bonus de PA du glyph APA n'est pas cumulable. Bah écoute, il y a eu des tests qui ont été faits, Marc. Je crois que. Je crois que c'est Leona qui a expliqué. Je pense pas que. Enfin, si ça a été interdit en tournoi, c'est qu'il y a eu des tests dessus. Hein. Du coup, je pense que c'est ouais. Un bug qui est quand même bien connu. Ils vont pas créer des règles mais... comme ça. Non, le bug est connu. Il est connu des deux équipes. C'est l'un des joueurs, donc, de. Ils ont pas fait de 6 centimes. Les 6 centimes qui a dit ah, il y a eu ce bug. Personnellement, j'ai regardé à ce moment-là. J'ai cru que le Xel avait pas gagné les PM, en fait il a vraiment gagné, on a regardé, il y a eu use bug, même si c'était involontaire. Et quand bien même le panda n'a pas utilisé tous ses PA durant son tour, donc même s'il a il y a eu le bug, il a pas utilisé PA, mais comme le bug était là et qu'il le connaissait, bah on a quand même disqualifié. On va pas dire bon bah il a pas utilisé les PA donc on disqualifie. Non, effectivement, la décision était bonne, hein, c'est Il fallait, mais il fallait la prendre de toute façon. Voilà. On n'a pas disqualifié, on a juste fait perdre le match. Oui, voilà. Enfin, perdre le match, pardon. Yasparadrake qui nous fait sacrifice stable, c'est pas un use bug en quelque sorte. Alors là-dessus, en fait. Non, on va pas repartir on sur va pas repartir là-dessus parce qu'en fait. C'est bugué entièrement. Voilà. Et si t'enlèves ce use bug, en fait, t'as plus de sacrifice dans les teams. Et du coup, plus de sacrifice, ça enlève quand même. Enfin, du coup, il va durer 10 minutes au lieu d'une heure, quoi. C'est même pas un use bug parce que c'est instable. C'est instable, un coup ça va prendre des dégâts, un coup le mec sacrifié va prendre les dégâts. Donc au final ça n'arrange personne puisque c'est du pur random. Et là on peut pas. Marc Legend qui dit ouais j'ai déjà testé avec deux Fekka qui mettaient chacun un glyph à 4 PA sur un mec et ça ne fonctionne pas. Oui mais le mec à la fin il gagnait 8 PA, enfin c'était juste un exemple en fait pour montrer que les PA sur le panda étaient doublés. Oui, normalement ça marche avec un FK, mais le panda en lui-même gagne 4 PA sur une. À cause de bah, en fait, ouais, il consomme les deux utilisations du glyph tonique en un tour, c'est ça le bug. C'est ça. C'est-à-dire qu'il proc autour du Xel, parce qu'il porte, et il proc à nouveau autour du panda. Ce qui fait que, normalement, si je dis pas de conneries, le glyph est censé se dépop après. Il l'a consommé deux fois. Voilà. Non, le glyph reste un tour en fait, donc c'est pas un certain nombre d'utilisations, il me semble. Le glyph il a une durée de 3 tours et 3 tours. 2 utilisations. Et comme le panda le consomme 2 fois dans le tour, normalement il doit se dépop. Ouais, oui, surtout c'est bugué aussi. Hein, voilà. Et il est consommé aussi que Xel, donc il est consommé une fois de trop. Quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Du coup, oui, c'est un bug. Oui. Dans le match, c'est en train vraiment de râle. Hein. Je voudrais compter le nombre de glyphs qu'on a vu pour l'instant parce que waouh, je pense que c'est. Ouh là là. Un record depuis le début du tournoi. C'est vrai que ce match est très porté sur l'entrave. Hein. Le match avec Trifu de Skin and Bones c'était beaucoup sur l'entrave aussi. Mais là, ils sont encore plus actifs, je trouve, par rapport au Sally dont je parlais hier.
C'est du glyphe, c'est du glyphe, du glyphe, du glyphe, il n'y a que ça, de la triple glyphe. Ouais, ils essaient d'anticiper, au final, ça donne un combat assez long. Ouais, c'est ça le problème. Et sans rien de... D'ailleurs, du coup, attends, chez Potager, donc chez Fika, ils ne sont plus que 4, c'est ça? On voit 4, ouais. Et d'ailleurs, et... Marc, il fait, bah oui, donc du coup, c'est qu'un désavantage. Bah non, au contraire. C'est... Mais non, c'est pas un désavantage. C'est pas du tout un désavantage, puisque Panda gagne 4 PA au lieu de 2. Enfin, c'est un gros avantage. Il y a des putains de combos qu'il peut faire grâce au PA. Et on le voit, hein, chaque PA en PVP 6v6, c'est... C'est important. Ouais, c'est ouais. Précieux, quoi. Enfin, faut pas se gourer. On notera Tats qui est encore à 3000 HP. Je pense sérieusement que ce mec. Le fait que c'est... Allez. 3000 à 6000 HP. Attention. Toute la partie. Voilà. Oh, bah on préfère le sacrifier, hein. Allez. Allez, Ficaps qui est toujours à 0 point de vie, donc on sait pas trop. Bon, Lenny encore qui est immobilisé. Ah, elle a pris que le debuff PM par contre. Lenny qui est full vie depuis le début quasiment, qui a pris que des petits dégâts au glyph. Ah, on n'a même pas relevé le fail, Migawari, tu vois. Oui, parce qu'il aurait pu finir Picard, si je ne me trompe pas. Ouais. On voit que quand même dans la team de Tatsumaki, tout est bien, parce que... Ils seront zen, hein, mais les Niaipsa qui commencent à taper. Alors que de l'autre côté, les Niaipsa ils prient à chaque tour pour faire des bons heals pour quitter, je pense. Hein, donc, Ouais, là on est côté Tats, la pression est redescendue parce qu'ils ont, ils se sont installés là, ils prennent leurs aises. Côté Fika, ils stressent parce qu'il y a eu la déco, il y a le bug sur Ether, il y a les divers bugs sur Sacrifice qui ne l'aident pas. Oh, voilà, bon. Oh le dos! Oh là 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 là! Elle détruit peut-être comme une crible il est. Ah, il y a moyen. Non. Non, on préfère taper. Non, il va pas détruire. Ah non, bien joué. Alors lui, comment est-ce qu'il va le gérer? Parce que lui, c'est un peu la. Alors, c'est soit efficace, c'est quoi? C'est soit efficace à la campagne. Le panda, soit le sacrifice. Alors, vrai, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Il va essayer de mettre Tats dans le glyph, je suppose. Oh oui. Voilà. Encore du râle. Eh, ça, c'est pas l'équipe! Ah, le sacrifice! Oh mon dieu! Le sacrifice qui fonctionne enfin! Oh là 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 là! Et là, Tatsumaki, bordel. Il a deux dos, mon dieu! Ah, ça va être violent! Et c'est pas grave, ouais. Qu'il nous écrit, je trouve qu'en plus. Avant, les Inirepsa sont de moins en moins focus. Exact. Parce que carrément, il y a des. Ah, il s'est mis en zone! Oh, Tatsumaki va encore se faire plaisir. Parce qu'en fait, maintenant, il y a des persos qui passent largement avant le. Ah, dans un combo mono-cible. Il préfère largement taper les placeurs ou vraiment pour risque de gêner. Pour pouvoir faire de bon. Pour pouvoir prendre en main le. Oui, et puis il faut prendre un détail en compte aussi, c'est que l'état. Effectivement. L'état incurable est beaucoup plus répandu qu'avant aussi, hein, faut le dire. Oui, maintenant le taux de dégâts est largement supérieur au taux de heal d'un simple Niripsa en fait. Du coup, il est plus mis de côté, mais si tu arrives à bien le gérer, un peu comme. J'ai loupé. Tatsumaki. Les heals sont suffisants, puis maintenant pourquoi taper un Eniripsa en sachant qu'ils sont mis tous spé heal et alors qu'à côté bah t'as encore la sacrifice, t'as encore les armures. Oui, c'est plus rentable. C'est plus rentable de mal le placer en fait, Lenny. C'est genre tu prends le sacri, tu le TP à 12 PO et puis tu pries qu'il ait pas la PO pour venir soigner ses copains. Voilà. C'est plutôt la stratégie que les gens adoptent.
ça ou le fait qu'elle provoque, etc. Bon, il y a plein de moyens pour les kites. C'est un problème. Du coup, ouais, donc Fika vient de perdre son panda, donc je pense effectivement que le résultat du match est scellé là. Bien joué, la provocation. La provoque sur le, voilà. Sur le sacré une fois de plus. Oh là 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 là. Là, Tats, il va se faire plaisir, il va même pouvoir dépop le panda en même temps. Oula! Qu'est-ce que c'était que ça? Alors Fikasu qui joue. Oh bah non. Il va y avoir Allez, une dépop. Effectivement, oui, il fallait qu'il la dépop. Hein. Et après les niveaux et l'araignée n'est plus un dépop, pas incurable, ou tout autre état. Bah oui, je crois. Deux quoi? Et l'araignée n'est plus un debuff pour incurable. Non, 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 effectivement, oui. L'araignée est devenue un bête sort de résurrection. Ça ne debuff absolument plus rien. C'est très dommage d'ailleurs parce que le debuff, c'est ce qui manque dans ce jeu. Bah oui, maintenant il y a tellement d'état, tellement de buff que voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Il y en avait avant des sortes de debuff et c'était vraiment ça. Il y en avait, ouais. C'est quoi cette connerie? Je suis encore au point de citoyenneté. Eh bah dis donc, bon, pas très dévoué à ta nation. Bah non, c'est surtout qu'en fait j'ai eu un bug de changement de nation. Bon, le soin de Fikasu, ah, oui. Joli joli. Ouais, oui, c'est pas mal là. Il y a 4200. Ouais, ouais. Facile. Tatsumaki ouais. Derrière, et Tatsumaki il a des PA. Derrière il y a encore les Niripsa qui va pouvoir s'amuser. Hein. Tuban, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, je vais mettre les stats de Tatsumaki pour... Ouais, Irox. Il ne fait pas chier, il a la zone. J'ai perdu un PA, Tats ? Tats ? Ah oui, on va peut-être faire... Bah, attends. Bon, 11 PA en fait. Je vois 11 PA aussi. Peut-être... j'ai envie de dire que c'est peut-être un bug encore. Un bug d'affichage, ça serait... Au fond, il va gagner plein de PA, là. Après, l'excellent... Voilà, le Kra, je pense qu'il va s'en foutre. Ah oui, il aura aussi. Ouais. Ah là, là, là. Là, par contre, à mon avis, Fika Sacre, c'est le prochain. Bon, bah, on a le combat numéro 3 qui va commencer. Du coup, la phase de placement est en cours. D'accord. J'ai chier, je pourrais pas venir le voir. Il va des. Ah, là, le Sacri. Ah, allez. Il a régénérateur, par c'est... contre. C'est. Ouh 3500 dans la gueule. De côté, oh, en joli. Plus, c'est vraiment, vraiment là, joli. Tatsumaki qui va finir le travail de la distorsion. Ah, bien joué. Sur du 78 de res, tout de même, il faut le noter. Hein. Quatrième kill pour Tats. Alors, Tats qui grabe, ouais, encore une fois, le kill sur Fikasak. Bien joué. C'était beau. C'est propre. Exactement, c'est propre, oui. Donc... Ça va être autour de Fikasa, donc on va voir un peu ce qu'il va faire. Ah bah oui. Je crois qu'il sait. Ah, et ben on essaie de rentabiliser là. Le refus. Ah, j'ai pas vu ce qu'il a fait, j'étais en train de d'écrire. Ah, maintenant on peut mettre KO par contre. Et oui, 1h30 de combat. Moi encore... je reviendrai pour le troisième s'il y a égalité. Oh, j'espère pas. Moi, je non mais les combats longs comme ça. Bah, c'est passionnant. Les combats longs comme ça, c'est à cause des FK. C'est ça. Il y a trop d'entraves. Tapez plus en. Il y a trop de FK dans ce tournoi de merde.
Vive les ossards et les écaflips. Ouais. Et les Adidas, ah non. Non, bah, enfin... Ouais, c'est déjà, c'est cool, mais enfin, bon, tu prévois 3 McDo d'avance pour regarder le match, par contre, quoi. Ah, d'accord. Tu en as 5 ans. Oh, une team. La VS Adidas, tu sais. D'accord, Tatsumaki est en AOT, du coup, il est en 11 PA. D'accord. Bah, tu peux être en 12 PA et... Ah oui, non, oui, effectivement, il a 6 PA. D'accord, jeudi du caca, on est juste au Jovian de D1. Aigu du trottin. Ah, oui. Ah, c'est la relique Damage Dealer classique. Troisième combat lancé. Le Féka qui tombe. Et ça, je vais faire un message. Savoir un peu les... Je crois que les viewers, en fait... Ah, plus d'images, oui, il a bugué. On va finir. Faut refresh. Mais non, mais j'ai le drop qui monte encore, en fait. Y'a pas quelqu'un qui a branché en wifi un appareil Apple? Et après je suis pas en wifi, c'est ça le truc. Bon, c'est pas grave, on va revenir, donc une victoire de la team de Tatsumaki. Ouais même, je t'ai parce que match. Moi chez moi j'ai mon pote qui s'est connecté avec son Mac en wifi. Moi je suis en CPL aussi. Ouais. Et il m'a niqué tout mon up. Alors je sais pas pourquoi, il téléchargeait rien. Mais tout mon up était niqué quand il se mettait en wifi dessus. Et voilà Mugawari qui chope le dernier kill.